Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve une nouvelle fois sur Planet Coaster pour la suite de notre Let's Play dans l'univers pirate. Troisième partie du coup de la BD pirate où on va essayer cette fois d'arriver à l'objectif, c'est-à-dire rembourser un prêt et avoir 4000 de bénéfices à la fin d'un mois. Et ben on y va. Et nous y voilà. On est le 5 mars. On a déjà un bénéfice plus intéressant. Alors, on avait supprimé la dernière fois un manège qui était ici. J'ai un peu fait le ménage. J'ai encore des choses à enlever. Pour l'instant, en tout cas, ça ne sert à rien de garder tout ça. Le manège, je l'ai remis en bas dans l'espoir d'arriver à créer quelque chose en bas. Pour l'instant, il vient d'arriver, il n'y a personne. On n'a personne qui descend. Alors l'idée, ce serait d'arriver à les attirer en bas avec un deuxième manège. Je pense qu'on pourrait mettre... Ouais, deuxième manège qu'on pourrait placer par là. On a un petit peu de sous, donc on va en profiter. Je vous dis carrément, l'idéal, ça serait de faire un deuxième grand 8. Mais là, j'ai peur. J'ai peur des coûts et de tout. Celui-ci est trop cher. Celui-ci, on pourrait le mettre, mais c'est le même qu'on a déjà. Donc, aucun intérêt quelque part. Donc, j'hésite encore. Je ne sais pas quoi faire. Dans les attractions, il ne nous reste pas grand-chose. Hein. On a ça. Qu'on pourrait peut-être mettre en bas. C'est un bateau pirate. Je pourrais le placer ici. Alors, soit je relie tous les chemins, ce qui va un petit peu disperser les gens. Après, j'ai dans l'idée, je me demande si je ne devrais pas supprimer cette partie-là, en fait, de chemin. Quoi qu'il en soit, il faut qu'ils descendent. Mais j'aurais bien voulu les faire descendre plus vite que ça. Je vais voir si on arrive à supprimer une partie. Alors, certes, je pense que dans le scénario, je ne suis pas censé le faire. Mais je supprimerai bien tout ça, moi. Hop. Voilà, comme ça, vous voyez. Pour l'instant, en tout cas. Parce que là, j'en vois franchement pas l'intérêt. Pour l'instant, j'ai rien. Et je pense que je n'aurai jamais rien à cet endroit-là. Donc... Voilà, ici je ferai comme ça. Ça on supprime. On n'en a pas besoin. Le reste peut rester de la déco, c'est pas bien grave. Hein. Vous voyez, je supprime de cette manière à avoir moins de chemin. Ça clairement, de toute façon, je m'en servirai pas. Donc je peux le supprimer en entier. Et là, pareil. Hein. C'est la file d'attente de l'hypothétique train fantôme que je n'ai pas passé là. Donc de toute façon... Ça, je peux toujours pas supprimer. Ben non, ces bâtiments d'origine n'en touchent pas. C'est pas grave. Du coup, j'ai quand même réduit mon chemin. Donc, dans mon idée... Oups, je fais n'importe quoi. Je sais plus où je suis dans les attractions. Je vais mettre ce bateau pirate ici et on va essayer de le relier des deux côtés. Alors, on lui place une entrée. Et je vais placer ma sortie. Bah, idéalement, oui, ça aurait été ça. Alors, ça, c'est l'entrée. Hein. La file d'attente. Voilà, je la fais comme ça. Et ma sortie, je vais la changer juste de couleur. Je la relie ici, en fait, tout bêtement. Voilà. Ça vous dit un petit tour? C'est parti, hein. Attention, il n'a pas été testé, hein, si on meurt. Tu démarres ou pas? Monsieur, dans ta cabine, tu nous lances le bateau. Le bateau, oui, c'est un bateau. On bouge ou pas? Non. Eh oh!
Eh ben, il a pas l'air de vouloir nous le lancer. Attends, on n'a plus qu'à attendre les gens. C'est pas gagné parce qu'il n'y en a aucun qui vient en bas. J'ai une pauvre personne ici. C'est pas la folie. Hein. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai tout en haut, en fait. Alors, soit je redéplace à nouveau mes attractions vers le haut. Mais ça devient compliqué au bout d'un moment, en fait, d'arriver à... Bon, on se fait de l'argent, ça, c'est pas du tout le problème. Le truc, c'est d'arriver en bois à 4000 par mois, j'ai un doute. En tout cas, pour l'instant. Je pense que ce qu'on a fait est pas forcément assez rentable. Et là, je vois pas comment rajouter des chemins qui me permettraient de mettre d'autres attractions. Si ce n'est ici, en fait. Je vais essayer de créer des allées, déjà. Et sinon, je remonte les attractions et j'abandonne carrément ce qui est en bas, au final, hein, parce que ça n'a pas l'air de toute façon de vouloir... De vouloir faire ce que je veux, donc... tant pis, hein. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Hop. Et je voudrais repartir. Non. Voilà, partir des deux côtés. Alors, je bloque ça parce que ça me stresse. Et on va refermer ces manèges-là. Tant pis. Et je vais le redéplacer tout en haut. Hein. Alors, il faut que j'arrive à relier par ici une entrée et une sortie. Alors là, je suis en rouge. Déjà, il faut que j'arrive à passer en bleu. Ah, j'étais en bleu. Alors, placer l'entrée. Placer la sortie. Et relier à l'allée. C'est bien là. Voilà, comme ça. Et la sortie. Bah, tout bêtement, on l'a remis comme ça. Donc ici, je peux à nouveau virer ce que j'ai fait. Ce ne sera pas la première ni la dernière. Mince, j'ai tout viré, tout viré, tout viré, tout viré. On va laisser en vrac comme ça pour l'instant. Je ne sais pas si c'est... C'était pas trop volontaire, n'est-ce pas? Alors, toi... Je t'ai fermé aussi? Très bien. Ah non, c'est toujours le même. C'est toi que je veux déplacer maintenant. Allez, viens. On va essayer de le mettre là-bas. Donc de l'autre côté. Alors, où est la limite du terrain? Là, je passe. Par contre, j'ai pas, clairement pas assez pour faire une file d'attente. La limite, elle est là, je la vois. Hop. Non! Allez, il faut à tout prix que j'arrive. Faut que j'arrive à passer, hein. Sans quoi je vais être très très embêtée. Ah, c'était passé. Obstruction quoi? Qu'est-ce qui obstrue? Je vais aller le rechercher. Ouais, bon là on est encore une fois pas terrible. C'est très galère hein, quand vous commencez dans un parc en fait... Bah, qui n'est pas le vôtre en fait tout simplement. Hein. Et bah, j'ai pas trouvé, moi, que c'était très très bien pensé, forcément, ce qui avait été fait.
Du coup, j'arrive pas à m'y incruster, donc je refais quelque chose en haut, et au final, bah, ça a du mal à passer, forcément. Puisque c'est pas forcément prévu pour. Alors, pourquoi cette saleté? J'ai obstruction à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi. Ah, là, je suis dans les... Là, j'y arriverai. J'avance tout doucement jusqu'à ce que ça ne marche plus. Ah non! Je l'ai supprimé. Ben voyons. C'est vrai que t'as des sous achetés par la fenêtre. Là, il veut plus. Pourquoi je suis en obstruction? Pour moi, il est même plus en rouge le manège. Je devrais passer. Voilà. Alors, placer l'entrée. Eh bien, l'entrée, il faut la placer devant, les enfants. Hein, parce que... Et la sortie, je peux la mettre là, sur le côté, je pense. Voilà. Ça, c'est ma file d'attente. Eh ben, elle est prévue pour être longue, ma file d'attente. Voilà. Et on va mettre du coup la file normale pour la sortie. Et on la relie juste là. Voilà, comme ça. Nickel. Alors, les deux manèges, on peut les rouvrir. Et on va prier maintenant. Parce que si avec ça, on s'en sort pas, on va être obligé de faire un miracle. Un gros miracle. Environnement. J'ai un peu de sous, je peux essayer de mettre des trucs un petit peu plus jolis. Après, je suis pas obligée de me ruiner non plus, n'est-ce pas? Parce que... Eh ben, on n'a pas encore fini, hein. Non, je veux pas mettre de gros rochers, moi. Faut qu'on décore un minimum pour attirer un maximum. Je vais aller voir ce qu'il nous reste comme crédit et éventuellement aussi à rembourser. Parce que s'il y a moyen que je le rembourse... On récupérera déjà des sous tous les mois. Parce qu'on rembourse 750 par mois quand même. Donc je pense que le rembourser, ça nous aiderait. Hein. Parce qu'on est peut-être plus si mauvais que ça. Ouais, on n'est pas top non plus. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils ont les salariés? Qu'est-ce qu'il a lui? T'as besoin de formation. Tu voudrais être augmenté aussi. Ok. Je veux bien. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bah, qu'est-ce que t'as, alors? Pourquoi tu n'es pas content? Je sais pas. Il est pas content. Pourquoi? On sait pas trop. Bon, bah, écoutez, hein. Alors, moi, je voulais aller voir dans emprunt. Il nous reste 4000 à rembourser. C'est pas infaisable. On va attendre un peu. Voir ce qu'on rentre comme sous et... On essaiera du coup de rembourser tout ça. Alors ici, on a toujours un monde de malades. J'augmente mon prix de ticket. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a toujours du monde.
Là, pour l'instant, il n'y a personne encore. Là, on a nos premiers qui arrivent. Je pense qu'il faudrait peut-être que je mette une boutique. Est-ce qu'on a mis des distributeurs de billets, tiens? Bonne idée, hein? Des toilettes aussi. Dans le coin-là, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je vais vendre toutes les décos que j'avais mis en bas. Je crois que pour l'instant, en bas, je vais clairement oublier. Hein. Ça sert à rien du tout de me prendre la tête dessus. J'aurais peut-être dû commencer par installer les manèges en bas. C'est peut-être de ma faute, hein, franchement. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, la seule chose, c'est que pour l'instant, bah, ça sert à rien, tout ce qui est en bas. J'aurais dû mettre mon parc là, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré m'installer en haut, tout simplement, pour des raisons pratiques. On commence à avoir du monde partout. Alors, celui-là, il ne faiblit pas. Ici, il n'y a pas grand monde. Ça va venir. On va déplacer notre poubelle qui est plus très bien placée. Ça aussi, on va le déplacer. Voilà. Alors, on a les premiers qui arrivent. Alors, une entrée ici et une autre ici. Là, on a déjà eu nos premiers. Bon, moi, je voulais le faire, ce tour, tout à l'heure. Hein. On va peut-être y aller, là, maintenant. Bon, monsieur, tu lances le tour de manège ou pas? Ça y est! Attention, vomi assuré. J'adore, on a un parc de loisirs comme ça près de chez nous qui s'appelle Walligator. Et il y a un bateau comme ça, je trouve ça génial. Mais ça fait un peu mal au ventre. Est-ce que je peux changer de caméra? Je vous le disais, ça fait mal au ventre. La vache, je les ressens, les sensations, c'est énorme. Allez, on descend avant de vomir. J'augmente un petit peu le prix du billet. Et on est quand même loin, c'est pas incroyable, je n'arrive pas à arriver à ces sous là. Je n'arrive pas, je n'arrive pas. Mince, non, 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 non. Qu'ai-je fait de mal? Je n'en sais rien, mais quelque chose ne va pas. Enfin, c'est pas que quelque chose ne va pas, c'est que ça met du temps, c'est tout. Là, on a le problème, c'est le coût des fonctions qui est cher. Et j'arrive à un bénéfice mensuel, quoi, qui est quand même pas dégueu, hein. Mais qui ne m'aidera pas à atteindre mes 4000, ça c'est clair. En attraction, il nous reste quoi qu'on n'a pas placé? On a ça qui est le nouveau. Alors, où est-ce qu'on pourrait placer une autre attraction? Vous savez quoi? Je vais laisser filer jusqu'à la fin du mois. Et on va regarder à combien on termine le mois.
ils ont l'air terribles. Regardez-moi la pieuvre là-bas à droite en accéléré, elle fait mal au ventre. On monte pas trop mal. J'aurais bien envie de tenter un truc, mais j'ai peur de faire une bêtise. Je vous le dis, clairement. J'aurais voulu accélérer pour qu'on ait les sous pour rembourser le crédit. Alors là, on va finir le mois. On a à peine la moitié de l'objectif. Mais on a récupéré des sous. Et avec un mois en plus, à voir ce qui reste à rembourser. Sinon, je rembourse le crédit et au moins, on récupère des sous. Voilà, là, on repart sur nouvelle journée. Alors, attendez. Emprunt. Il reste 3000 à rembourser. Je le rembourse. On a remboursé l'emprunt. Maintenant, ce qui adviendra, ce sera que de notre travail. Et ça, c'est cool. On a tout le mois pour récupérer de l'argent, pour gérer au mieux ce qui se passe. On peut espérer du coup atteindre peut-être pas tout de suite le premier mois, mais en tout cas on peut espérer. J'arrête pas de monter le prix de cette pauvre attraction, et ici par contre il n'y a personne quoi. Je me demande si je devrais pas mettre un psycholia 2, hein. Parce qu'au final, ce truc-là, tout le monde s'en fiche, quoi. Mon petit carrousel, qu'est-ce qu'il a? Autant le bateau, il y a un petit peu de monde. Et encore? Et celui-là, c'est la dèche de la dèche, quoi. Il n'y a personne dessus. Par contre, on a des bénéfices qui montent plus vite. Je serais tentée de laisser passer encore une fois ce mois-là pour voir si on arrive à faire quelque chose. Ça, je récupère des sous peut-être pour une nouvelle attraction. L'attraction de Madness n'est plus considérée comme une nouveauté. Ok. On perd de l'argent à nouveau. Pourquoi? Hop. Alors. The Madness, c'était quoi? Ça, c'est Victory. Ça, c'est quoi? Ce truc-là... Ah, ça y est, il commence à y avoir un peu de monde. C'est quoi, The Madness? C'est ça? Non. Le Grand 8? Ah, bah oui, mais bon... Allez, je vais bien faire un petit effort de ticket. Il est quand même chouette, notre Grand 8, non? Et on monte pas beaucoup, hein, en gain. On augmente le prix du carrousel. Après ça, c'est genre une petite attraction que je pourrais peut-être rajouter. Un deuxième, ça ferait pas de mal, je pense. On n'est pas obligé d'avoir une grosse file d'attente. Faut juste que je trouve un endroit où ça serait, où il serait opportun de le mettre. La limite, je crois qu'elle est ici, hein, des attractions du parc. Attendez, je regarde. Bon, après, c'est pas forcément ça qui attire le monde non plus, mais... Ah, l'idéal, ça serait... J'ai des choses avec des choses en vert dedans ou pas? Alors, on est le 15, on a à peine la moitié. Je sais sincèrement pas si on va réussir. Ce manège, il faut que je le vire, en fait.
Je le supprime. Je vais le supprimer, ça sert à rien, il n'y a personne dedans. Je vais remettre un comme ça. Hein. Alors là, je place mon entrée comme ça. Et ma sortie là. On va voir ce qui se passe, hein, parce que... Il y en a deux. Il y en a deux. Ça désengorgera peut-être la file d'attente d'ici. J'en sais rien. Les chemins sont longs, je dis pas le contraire. J'ai pas forcément très bien organisé mes chemins. Mais quand même! Quand même! Peut-être qu'en mettant un peu de déco, ça les ferait venir plus facilement. Ça coûte combien ce que j'ai pris là? Ça va. Et où la porte de cette maison? Du coup ici on est à 12,70. Je vais mettre le même prix sur les deux parce que sinon ça va pas le faire. Je l'ai ouvert au moins. Hein. Oui. On a une jolie circulation dans le parc, mais c'est du mal à rapatrier les gens par là, en fait. Hein. Bon, il y en a un petit peu plus qui se faufilent ici maintenant, mais ils vont peut-être là. Ils vont pas forcément là. Et j'arrive pas à monter, à monter, à monter ce bénéfice. J'ai repassé mon mois en avance rapide. Me permettre de voir en temps réel où vont les gens en fait, parce qu'il faut que j'observe cet endroit là. On n'est pas loin les enfants, hein. On n'est pas loin du tout même. On est le 29 mai, on est à 3200 sur 4000. On les aura pas ce mois-ci, mais peut-être que le mois prochain il y a moyen qu'on y arrive. Ça y est, là, on commence à voir à nouveau du monde. Ici, on en a toujours autant de monde. Donc, c'est vraiment pas le souci. Là, par contre, c'est un peu le désert. Hein. Il nous manque 600 pour y arriver. Ouais, même pas, 550 maintenant. Bon, on n'y sera pas ce mois-ci, c'est clair. Le mois prochain, peut-être? Faut que je continue à décorer. J'ai pas le choix. Vraiment pas le choix. Faut vraiment décorer le parc. Si je veux à tout prix maintenir des gens dans ce parc et leur donner envie de... devenir... J'ai pas le choix du tout que de faire des décos qui en jettent un petit peu. Hein. Si je veux les attirer par là, faut forcément que je fasse quelque chose de bien. Où suis-je ? Oh,
Ouh, ça c'est de la tuerie. Ah, j'ai pas mettre 400 là-dedans quand même. Hein. Je veux bien décorer mon parc, mais il y a des limites peut-être. Ouais, il y a des limites. C'est ici, il faut que j'arrive à amener du monde, et ici. Alors là, pour l'instant, c'est le bide total, ce truc. Je suis en train de me demander si je pourrais pas réorganiser les files d'attente autrement. Si, je crois que je vais essayer de faire un truc. Non, je sais pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, heureusement. Ouh! Je vais aller ici. Je vais supprimer ça, là. Ah ouais, tu rêves pas, on supprime. Je te rattache ici, en fait. Voilà. Pour pas avoir deux files d'attente, en fait, sur le même chemin. Je sais pas si ça changera grand-chose, hein, mais... Tiens, un petit magasin... Sur les files d'attente, c'est pas une grande idée de mettre des magasins. Oui? Qu'est-ce que ce bruit? Alors là, on a vraiment pas mal de monde sur celui-là. Je vais le monter encore. Je suis désolée, les gens, de vous piquer autant de sous sur les manèges, mais... Il y a l'entretien du manège à payer, hein, les enfants. Ah, celui-là, il y a une queue tellement longue que je peux clairement me permettre peut-être encore de le monter. Allez, on va peut-être y arriver. J'ai encore un doute, mais on va peut-être y arriver. Je suis obligée de le monter. Hein. Ah, celui-là, il commence à tirer du monde aussi. Alors pareil, hein, si on en monte un, on monte les deux. Et là, ça y est, ça commence à venir tout doucement. On va le laisser pour l'instant pas trop cher, le temps qu'il attire son monde. Notre petit carrousel, là, comment il se porte? Je pense qu'on tient doucement le bon bout. On peut peut-être l'obtenir ce mois-ci, mais on va pas aller trop vite. Du coup, ici, on a fait pas mal de décorations. Hein. C'est assez joli. Là, on a un chemin qui est un petit peu plus... Bof, c'est un peu terne, je trouve. Pareil, je trouve qu'au niveau du Grand 8, on pourrait peut-être ajouter des petites choses dans le Grand 8, en fait. Hein. Tout bêtement. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Parce que ça fait toujours joli, une décoration, dans... quand vous passez vite à l'intérieur des choses. Vous voyez, de mettre ce genre de choses ici, à l'intérieur. Dans l'attraction. Ça peut éventuellement donner aux gens envie de revenir. On arrive doucement à la fin du mois. On va se la faire en accéléré à cette fin de mois pour l'instant. Wild Blue est trop long. Je sais plus ce que c'est ça. Si je vois qu'on s'approche doucement, j'enlève l'accélération. Et ça serait bien qu'on arrive à le débloquer maintenant. Je crois que ça va le faire. Je crois que ça va le faire. Je suis trop contente. Il était temps. Hein. C'était chaud.
Comme quoi, mettre quelque chose en bas, c'était pas une bonne idée. J'aurais fallu que je le fasse tout de suite et pas maintenant. Oh la vache, ça devient limite. On monte plus. On monte plus, les enfants. On monte plus. Allez. Je me remets en normal. Il nous manque pas grand-chose. Il reste quelques jours de juin. On va profiter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme manège en attendant que peut-être le miracle se produise? Je sais qu'on l'a déjà fait, mais si on se refaisait un tour de grand 8. Là, je suis sur une personne, là. On va se refaire un tour de grand 8. Il me reste 200 à faire, les enfants. 200. Et on aura officiellement sauvé la baie des pirates, qui malheureusement ne ressemble pas à une baie des pirates, puisqu'on a laissé de côté tout ce qui était pirate. Ça, c'est un peu mon regret. J'aurais dû le gérer autrement dès le début, mais maintenant c'est un peu tard. Hein. Oui! Bien! Vous avez non seulement remboursé tous les emprunts du parc, mais aussi engrangé des bénéfices substantiels. Oui, on a réussi! On se fait ça en faisant un tour de looping! On est réussi. Ouais, je suis contente. Très très contente. C'est bien ce que je disais. On a atteint nos objectifs, donc on peut fermer cette fenêtre. Alors effectivement, ben, on a peur qu'ici, la baie des pirates, elle est là, elle ne sert plus à rien. J'aurais dû organiser autrement, mais je me suis pas rendu compte et pas encore forcément l'habitude non plus de gérer des parcs de la sorte. Tant pis pour cette baie des pirates, je vous dirais, on n'a pas trop le choix maintenant, hein. C'est raté. Bon, moi j'ai réussi mon objectif, j'ai mes 3 étoiles, ce qui fait qu'on va pouvoir reprendre la prochaine fois et ben, dans un autre parc. Alors je sais pas ce qu'il nous promettra, soit de tout recommencer, soit ben, comme là, un scénario spécifique où il fallait le sauver de la faillite. En tout cas, objectif réussi, on aura fait ça en 3 parties. Et bien écoutez les enfants, je pense qu'on peut du coup s'arrêter sur cette jolie nuit qui tombe sur notre parc plein de lumière. Voilà, juste un regret de ne pas avoir réussi à tirer parti de la baie des pirates. Le problème est venu du premier épisode où il m'était impossible, en tout cas je n'arrive pas encore à maîtriser suffisamment les montagnes russes pour en faire une à la main, donc je n'ai pas réussi à la placer à l'endroit où il aurait fallu. Tant pis, je suis vraiment désolée. Si vous avez des petits conseils à ce sujet, d'ailleurs, je suis preneuse. Alors n'hésitez pas à me laisser encore une fois tout plein de commentaires, de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre chaîne secondaire. Et moi, je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.